dû venir. Largons notre booster et voyons si la lune peut nous attirer le reste du chemin. Cassie, on peut tenter le coup? Tu me réponds oui? À la vitesse actuelle, la gravité. On peut ou pas? J'en sais rien du tout. Ok, pour la séparation des boosters. Terminé. Putain, si ça marche pas, on est mort. Ça a intérêt à marcher, alors. Le réservoir principal est à zéro, il faut s'en débarrasser. Largage du réservoir principal. Brian, on va trop lentement. On va pas y arriver. Un gros problème se dirige vers nous. Une réunion d'urgence est prévue à l'endroit habituel au plus vite. Pegel Sofer. J'ai fait une découverte effrayante. J'ai besoin de vous pour contacter la NASA immédiatement. Avec la NASA, on peut dire qu'on est un petit peu en froid, là. Alors ça va changer. Quand vous leur direz que la Lune est sortie de son orbite. Aucune raison de paniquer. Je suis pas fou! Pourquoi cherche-t-il à cacher tout ça? Il est trop tard pour l'arrêter. Vous aviez tout compris avant la NASA. C'est vous la source anonyme? Oh oui. Nous avons affaire à une entité intelligente. On organise une mission pour attaquer cette chose. C'est de ton aide dont j'ai besoin. Dis oui, Brian. Je veux que tu sois courageux. Si la Lune est vraiment ce que tu penses, tu viens avec nous. Une énorme onde de gravité se dirige vers vous. Il faut décoller, maintenant. Il a bien dit onde de gravité. On est sous l'eau, les mecs. Oh. C'est fou. Oh, oh, va moins vite. C'est quoi le plan? Sauver la Lune, sauver la Terre. Brian, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi! Attention.